Salut à tous, c'est QQ et je vous retrouve pour la suite de Genshin Impact après avoir résolu l'énigme de ces piliers. Voilà. D'ailleurs, je dois avoir plein de trucs à récupérer du combat qu'on a fait juste avant. Bave de blob, parchemin. Bon, le mec veut pas nous donner la suite de la quête, du coup, je pense. Je suis même pas sûr qu'il y en ait en fait. On a des quêtes journalières à faire, on a des quêtes secondaires à faire, mais c'est dans la zone de la Terre. Et on a récupéré pas mal de primogèmes, je pense. Du coup, on doit avoir aussi quelques invocations à faire. D'ailleurs, il faut que je ressorte mon bloc-notes avec les invocations. Sinon, je vais être guaqué. Vidéo. Genshin Impact. Donc, on était à 59 invocations sur la bannière. Succès, on doit en avoir quelques-uns, oui. Chasse au trésor, c'est fait. Expérimentaire, je l'ai 10 fois 4 ennemis en 2 secondes. C'est fait aussi. Merveille du monde. Les grenes de l'histoire portées par le vent, donc on vient de le finir. Super permis de planer, c'est pour avoir plané une longue distance. Voler sans vous arrêter pendant 80 secondes. Vous ne perdez rien à part votre temps, résolvez l'énigme des deux cadrans solaires. En effet, j'ai perdu mon temps un peu à faire ça, mais c'est fait au moins. Et du coup, niveau boutique, combien je peux acheter de pierres de fatalité? 4. Pas mal. Ben, c'est parti pour 4 invoques du coup. Ah! Je me disais que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un 4 étoiles. Yes, encore une fichelle. Génial. Bon bah, fichelle, c'est fait. Ok, un petit arc 3 étoiles. Un autre arc 3 étoiles. Et le dernier. Pour cette mini session, un orbe 13 étoiles. Ok, et dans 15 cristaux on peut refaire une invocation. Du coup, on a eu encore une fichelle. Personnage, fichelle, détail, constellation, fichelle plus 3 quand même. Aile de surveillance nocturne plus 3. Ok. Nice. Du coup, ça doit augmenter ses dégâts, je suppose. Dégâts d'os, dégâts d'invocation. Durée d'os, 10 secondes. Le niveau du personnage peut continuer à augmenter après la phase 2 d'élévation. Oui, d'accord. Waouh! Ah non, mais c'est pas ça que je voulais augmenter. Putain, il manque que des pierres comme ça. J'ai tout ce qu'il faut pour l'augmenter à part ça, mais ça, ça se chope facilement. Fischl va sûrement être plus puissante que le premier 5 étoiles que j'aurai. C'est ça qui est dommage en vrai. Ok, bah Fischl c'est fait. Ah oui, il faut que je mette à jour. On est à 63 invocations. Et ça fait du coup 3 invocations sur 10. Pour avoir. Ah oui, mais c'est un clavier anglais. Haruka Kanata ni iru tsuyusha tachi wa. Boukensha kyokai no minasama no koto nara, shinpai gomu yō desu. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? En vrai, je crois que j'ai des niveaux d'aventurier à prendre. Parce que je suis passé niveau 23, et du coup on peut continuer l'histoire principale aussi. Puis je dois voir mes expéditions qui sont revenues aussi.
Récupérons et récupérons. Ah, c'est des fleurs de lotus. Hein. On a toujours que des expéditions, ça c'est un peu dommage. Je pense quand même que le plus rentable ça reste. Ça rend ces trucs là. Hein. Hop. Ensuite, niveau d'aventurier. Pas de primogème bien sûr, sinon ça serait trop simple. Il y aura une invocation niveau 24. Ok, j'ai pas fait munition quotidienne, du coup il veut pas. Ils viennent de me donner des objets d'élévation là, je viens pas de rêver. Ils m'en ont donné un. Putain, vicieux. Graine de feu, ça il faut que je tue un arbre enflammé. Ouais. Putain, et lui il m'en manque 15, ça m'énerve. J'aimerais tellement le passer niveau 40. J'ai tout ce qu'il faut pour. Mais c'est pas grave. On peut normalement continuer l'histoire principale. Hop. Sauf que l'histoire principale, elle commence pareil à Liyue. Donc je pense qu'on va aller continuer d'explorer Liyue. On va pas avoir le choix. Hein. Allez, je suis au zoom max là, t'es sérieux? Putain, site. Site de merde. Pas grave. Du coup, bah on va continuer d'explorer. C'est pas grave, ça nous fera de l'endurance, pire. Alors, on s'était arrêté par ici pour l'exploration. Alors, on avait pris le géocule qui avait par là, je crois. Vu qu'on le voit plus, ça doit être un oui. Il y en aurait un autre en haut du chemin par là. Ah d'ailleurs, vu qu'on va explorer cette zone, normalement on devrait plus avoir besoin du vent. Je vais demander la résonance géo. Et du coup, maintenant, je suis un personnage de type terre. Alors, c'est quoi ces attaques? Ah oui, mais est-ce que je peux faire ça? Non, pas du tout. Ah, mais ça me fait des plateformes, par contre. Par contre, j'ai du mal à voir comment ça fait des dégâts, quoi. Je rappelle qu'il nous faut 4 géoéthers. Ça se recharge vite, non? Ah oui, mais si je le charge pas, ça fait ça en fait. Ah
Comment je suis censé le choper du coup ce géoéther là? Pourquoi je le vois pas? Ah mais t'es pas sérieux! Quand même pas falloir que je monte sur l'arbre. C'est moi ou je plane vachement moins longtemps? Ah mais si, peut-être que... Ah oui, d'accord. Oui. Ah, c'est intéressant en vrai comme mécanique. La question c'est, est-ce que j'ai pris celui qui était là-bas? Point de TP plus simple pour y aller. Et il y a une mission juste à côté, du coup on la fera. Mais du coup on est passé en personnage de terre, ce qui est assez intéressant. À voir ce que ça apporte niveau gameplay. Je sais pas si je l'ai pris, je suis au bout de la plaine par là-bas. Je le vois pas si je le vois. Donc je l'ai pas pris. Je pense que j'ai juste ce qu'il faut pour l'atteindre là. J'espère. Je suis passé juste au-dessous. Non, c'est bon. Là, je l'ai. Et ben non. Sauf si je peux superposer les... Bon, ça passe. Du coup, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ici exactement? Fait de bons dégâts. C'est quoi ça? Réaction alimentaire, cristallisation. Géo avec hydro, pyro, cryo, électro. Donc tous les autres, quoi. Et ça me donne un bouclier. Ah, intéressant. Oh, c'est violent quand même. J'ai techniquement pas besoin de venir de les tuer, ces monstres là. Je peux en cumuler combien? Deux, c'est tout? Est-ce que je peux en mettre un sur l'autre? Non. La réponse est non. Mais ça reste très intéressant comme mécanique, je trouve. Du coup, on a pris celui-là, il y en aurait un sur cette île, mais est-ce que je vais avoir assez d'endurance? Non, sûrement pas. Comment j'atteins cette île? Bah, par là, tout simplement. Je pensais pas que j'avais pied. Okay.
Mais sinon... Je suis pas sûr quoi y tirer, mais y tirer. Quoi, c'est limité en temps? Bon, on va tester ça du coup. C'est stylé. Oh, et ça fait des murs. Oh, c'est trop stylé. Ils sont bien les pouvoirs de terre. Hein. Moi, de toute manière, dès que tu peux créer des plateformes ou des mouvements. Je dis oui. Ça c'est fait. Ensuite, il y en avait un du coup sur l'île là-bas. Là-bas. J'en ai un peu rien à foutre de libérer les coffres, pour être honnête. La plupart du temps, il n'y a pas des trucs ouf, sauf si c'est un coffre d'or et encore. Ok. Est-ce que j'ai le TP en dessous? Oui. Normalement, il y en a deux là-dessus. Deux ou trois? On verra bien. Comment je monte là-dessus d'ailleurs? L'impression de faire un speedrun. Ok, ça c'est fait. Il y en a un deuxième du coup sur le côté. Où est-ce exactement? Ah, là, je vois. Non, pas du tout. Et pourquoi j'arrive pas du tout à me repérer? Ah bah si, là. Donc les deux ici c'est fait, il y en aurait un sur l'île à l'est. Il y a aussi des quêtes à prendre, du coup on va les prendre comme ça sera fait. Les escaliers, tu veux monter à l'étage? Impossible. Oui d'accord, j'ai rien à foutre, bien sûr. Je voudrais monter du coup parce que j'étais bien en bas. Attendez. Hein. Je sais pas pourquoi je me fais chier. Parce que la quête n'apparaît pas ici. Ouais, c'est vraiment le village piaf. Hein. Qui est-il? Bien sûr. Ensuite, du coup, j'avais des trucs à faire sur cette île-là et j'ai une mission à faire là, donc c'est cool aussi. On va partir du plus haut qu'on puisse.
Enfin, il y en avait un sous le pont que j'aurais pu prendre, mais au pire, on peut s'y re-TP juste derrière. Quoi? Mais comment? Ah, me dis pas qu'il faut du vent pour activer ça et que ça fait... Ah si, là j'en ai trois. C'est juste qu'elles doivent être séparées, je pense. Elles doivent être assez éloignées, je pense, pour tenir. Non, je peux en avoir que trois. Ok. Mais c'est un peu de la bite, ça. Ah, ça veut dire qu'il faut que je parte d'encore plus haut. Je pense. Parce que elle est atteignable, hein. Si on part de tout en haut, y a rien de dire. Allez, on y retourne. Quand même sadique les développeurs de ce jeu. Bon, là ça passe. Ok. Après ça, il y en a une sur le pont là-bas. Sur le pont ou sous le pont? Parce que je la vois pas d'ici. Mais il y en aurait une a priori. C'est marrant comme ils peuvent me suivre jusqu'ici. Alors que moi je galère dans l'eau. Leur nature élémentaire les a rendus surpuissants. Ouais, il m'a tout l'air d'être en dessous du coup. Vous avez vu, il a fait une animation de plongeon pendant un moment. Impressionnant. Faut que j'aille voir ma carte. Donc on va pas s'attaquer à ça, on pourrait s'attaquer à cette partie là. Parce que si je descends ou je vais à droite. Normalement j'ai tout pris là, donc on pourrait s'attaquer à cette partie là. Ouais, on va faire ça. En plus il y a un TP à choper. Que j'ai déjà, donc ça nous arrange. En vrai, une fois qu'on a fait tous les jeux Oculus, le chemin est beaucoup plus tranquille. Ensuite, il n'y en aurait un là. Je me définis des zones mentales en fait de où est-ce que je suis passé, où est-ce que je suis pas passé.
c'est assez sport. Lui il va magro, mais tant pis, on va faire avec. Il y a beaucoup de monstres quand même. Alors où est-ce qu'il va être vu? J'aurais plus d'endurance, là j'étais mort. Ok. Bon, il y en aurait un là, mais on ira plus tard. Parce qu'à partir de là, il y en a déjà pas mal. Normalement, il y en a deux juste à côté. Je sais pas où exactement. Mais il y en a deux. Bon, déjà, il y en a un là. Ah, c'est con ça. Il n'y en a rien ici normalement. Bon, dans un inconnu, je ne le vois pas. Ah, peut-être qu'il est plus par là-bas. Ah oui, totalement. Ok. Ensuite, on pourrait prendre les deux là peut-être. J'ai plus beaucoup de hauteur, mais. Faut que j'aille là-bas. Ok. Est-ce que ça passe avec un bloc de géo ça? J'ai pas dit hein. Ça me paraît bien haut. J'aimerais bien retrouver des roches oranges aussi pour. Oula. C'est beaucoup là, non? Putain, encore un truc qu'il faut que je parte de tout en haut, ça m'énerve. Le mec s'énerve alors qu'il a un TP juste pour y remonter. Allez hop, tout droit. Donc il y en aurait un là, il y en aurait un sur l'île derrière. Genre le petit truc là-bas.
Bon, par contre, bon, ça va qu'il y ait des pouvoirs géologiques, parce que sinon, des structures comme ça. Ouais, si, il y a des volcans en dessous, mais il faut vraiment que ça se solidifie direct, quoi. Parce que ça, c'est de la roche volcanique, hein, quand ça a cette forme-là, de toute manière. Donc ça serait pas illogique, mais. Enfin, c'est plus de la lave que de la roche volcanique. Et ensuite, ça serait ici. Et après de l'autre côté. Okay. Mais tu pourrais y aller directement sans planer? Non, c'est chiant. Je préfère passer une minute à planer en fait. Après, j'ai pas fait attention, mais j'avais peut-être pas assez d'endurance pour y aller. Bon, si, je suis allé à des trucs bien plus loin tout à l'heure. Mais j'avais une potion qui réduisait la perte d'endurance. Ouais, mais là ça passe normalement. Oui, ça passe toute la vie. On y croit tous. C'est vraiment là que je voulais aller. J'espère. Non, pas du tout. C'est pas du tout là, c'est là-bas que je voulais aller en fait. Toi, tu vas te réveiller, hein. Pardon monsieur, mais vous étiez faible. Eh non, ouais, c'est bien ce que je dis, c'est absolument pas là où je voulais aller en fait. Est-ce que j'aurais assez d'endurance pour faire ça? Par contre, c'est pas dit. Ok. Du coup, maintenant, on va aller là. C'est pas les vidéos les plus intéressantes, hein, mais au moins, c'est fait. Alors, TP, 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 pardon. Enfin, il faudra aller sur l'île toute là-bas au bout. Il devrait y avoir un TP et deux gemmes par ici. Je pense d'ailleurs qu'elles seront sur ce pilier. Oui, il y en a un sur ce pilier, donc ça sera fait. Et l'autre, je ne le vois pas. Ah si, en plein milieu de l'eau. Ok. On va aller chercher ça d'abord. Moi, ouais, j'attends le jour où il y aura que des monstres comme ça un peu partout. Et là, on pourra s'amuser. Bon, il y a un défi juste à côté, mais la flemme. Surtout que j'ai masse truc à faire encore niveau géo. La vraie question, c'est est-ce que je peux atteindre l'île là-bas? Non, pas à partir d'ici, je pense pas.
Et ça, encore une fois, ça sent l'attrape couillon. Je suis désolé de dire ça comme ça, mais... Je suis censé pouvoir atteindre cette île-là. Au-dessus de ma tête. À partir d'ici. Enfin, pas forcément à partir d'ici, mais je suis censé pouvoir l'atteindre. Après, peut-être en partant de là, on doit être plus proche quand même. Surtout que nous, on doit y aller, là. J'ai deux géocules à trouver par là-bas. Ah, il y a une quête aussi. Nique. Nique les quêtes, nique les quêtes. Tiens, il y a un géocule, là. Attendez, je suis où, là? Ah oui, c'est celui-là, d'accord. Eh ben, on va le faire, on va en profiter. Tu voudrais pas parler, Paimon? Parce que là, t'as pas de voix, en fait. Un fantôme! Bien bonjour. Eh bien bonjour. Du coup, à partir d'ici, il y en aurait deux par là. Donc ça m'arrange. Si on va les chercher maintenant. Tu m'excuseras, mais je suis pas là pour toi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On va l'affronter, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Il est que niveau 28, mais qu'est-ce qui tape fort? Enfin, qu'est-ce qui tape fort? Enfin, tout ça pour un coffre de merde. Hein. C'est ça le pire. Hein. Du coup, les géocules qu'il y avait ici, c'est bon. Maintenant, il faudrait faire ceux qui se trouvent là. Et en plus, on a une quête juste à côté, plus un TP, plus une géocule. C'est parti. Je pense qu'il y en avait bien 14 là, on va pouvoir prendre un niveau après. Ok, il y aurait une géocule par ici. Enfin, il y en aurait plusieurs même. Alors oui, c'est des géoculus, mais je dirais toujours géocule, hein. Pas déconner. Ok, ça ne les détecte pas. Pourquoi? Pourquoi vous faites chier avec vos géocules de merde? Est-ce que ça serait un peu plus haut par là?
Soit je suis aveugle, soit c'est pas là. Ah si, c'est encore un de ces trucs devant. Ah oui, d'accord. Eh ben, je veux bien, mais tu me montes absolument pas assez haut, quoi. Ah, mais sérieusement? Vous voulez qu'on y aille de où, ici? De là-bas? Ça passe peut-être. Ça passe jamais, hein. Ça passe jamais, hein. Pas être pessimiste, mais à mon avis ça passe jamais. Et je suis déjà au niveau où je devrais être en fait. Par contre, de cet arbre peut-être. Si j'arrive à mettre un géocule dessus, ce dont je pense absolument pas être faisable. Quoique, peut-être que... Il n'est pas passé, hein. Faut m'expliquer celui-là, comment je suis censé l'atteindre. Alors oui, je suis censé utiliser les trucs devant, mais... Mais jamais ça me propulse assez haut, en fait. Ou alors, c'est qu'il faut avoir Ameno ici pour le faire, et du coup, bah, c'est chiant, parce qu'on n'a pas d'autres persos Ameno, en fait. Bon, on va noter que celle-là, on l'a pas, du coup. Et c'est pas grave, normalement, il y en a plein d'autres derrière. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Bon, déjà, ça veut dire que c'est une mine. Mais ça veut surtout dire quelque chose de bien plus intéressant. J'en ai loupé un, je crois. C'est celui-là que j'ai pas pris. Oui.
Ok. Du coup, faut noter que celui qui est là, on l'a pas. Y a moyen que je mette une marque? Okay. Donc ici, il y en a un que j'ai pas chopé. Maintenant, on va essayer d'aller là. Il y en aura un par là et un par là. C'est ça en fait qu'il faudrait que je fasse mettre des marques en fait. Je ferai peut-être ça à la prochaine fois en fait pour lister tous les aménos. C'est-à-dire qu'il faut que j'enlève la marque à chaque fois. Mais ça peut être un peu plus digeste pour vous que moi qui de temps en temps regarde ma map et ne fais rien. Alors que je peux regarder la map avec vous et ne rien faire. Mais avec vous. Ça veut rien dire ce que je dis. Et on aurait un autre par ici d'ailleurs. Qui vient d'apparaître. Bon, du coup, où est-ce qu'il est ? Juste là. Je sens que ça recommence et ça m'énerve. Ça passe. Du bout, mais ça passe. Et il y en a rien, du coup, par là. Putain, mais il y en a partout ! Il y en a partout ! Ok, celui-là, je l'ai vu. Ni, coûte, ni. Ça c'est vu et du coup, hop, maintenant le TP. T'as les proportions et moi ça fait deux. Hein. Je vais avoir de quoi faire une invocation là, non? D'abord les succès. Allez, une petite invoque, ça faisait longtemps. Pas du tout. Ça fait absolument pas longtemps. Hop, mon truc d'invoque est ici. Donc on sera à 64 invoques sur la bannière. C'était en 3 étoiles. Encore 6 invoques maximum pour avoir un 4 étoiles. Hop. Du coup, qu'est-ce qu'il nous reste à faire dans cette zone? On a chopé tout ce qu'il y avait là. Sauf celui-là. Mais on l'a marqué. Et du coup, il faudrait aller au nord. Sur une petite île, par là. Il y a un point de TP et la méno est normalement juste derrière, sur l'île un poil derrière. Je crois d'ailleurs qu'il y a... Je le vois pas d'ici, j'espère qu'il est pas en l'air parce qu'ils font chier à mettre les trucs en l'air. On peut le prendre celui-là ou il est protégé? Oh, ça va, niveau 24, on s'en est fait un 40 tout à l'heure. Ça va aller vite. Hein. En plus, je vous rappelle qu'on a une Fischl plus 3, du coup, bien sûr que ça va être. Voilà!
Là, on parle. Forcément, fallait que ça soit sur un truc comme ça. Bon, l'avantage, c'est qu'il nous fait une jolie plateforme. Allez, adieu. Limite, si je pouvais mourir, ça m'arrangerait. Hein. Il se rend compte qu'il vient de me sauver la vie ou... Ok, du coup, on a tout dans cette zone, à part celui-là qu'on n'a pas chopé. Qu'on n'a pas pu choper, parce que je ne sais pas m'élancer dans les airs tout seul. Et j'espère qu'on a assez de géocules pour faire une offrande. Ah oui, largement. Il y en avait 25 là? Mais non, il n'y en avait pas 25. Ah mais j'ai fait la zone à côté aussi. Il nous en fallait que 14. Hein. Là, normalement, elle change d'apparence. Nice. Et là, elle est jolie. Bon, ce qui est dommage, c'est que le pilier, c'est toujours le même. Il n'y a que le truc dessus qui change, j'ai l'impression. Et là, il en faut 16. Du coup, il m'en faudrait 5 de plus. On aura ça. Je sais pas à quoi ça sert, la pierre des souvenirs. Je crois que j'en ai une dans l'inventaire. Faut que je regarde. Obtenu en faisant des offrandes aux statues des 7 à Liu. Une pierre précieuse à la forme du duel capable de briser certains sceaux. Ah, c'est pour ouvrir les sanctuaires comme l'autre. Il y avait les clés, c'est ça? Pour rendre sans souffrance, pour une vie pleine de sens, un avenir plaisible. D'accord. On voit aussi qu'on a un poids d'inventaire. Bon, pour le moment, on est large, mais... un jour, peut-être que... Je suis à combien de primogèmes? Juste pour voir. Combien il m'en faut? Il m'en faut 120. Ok. Donc, c'est pas tout de suite, quoi. On va explorer quoi après? Parce que ça, on pourrait y aller, mais il faudrait y aller de là. Du coup, je pense qu'on va explorer cette zone-là. Ça me semble bien. Ouais, ça me semble bien. Du coup, tac, 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 je vais prendre que cette partie-là. Donc je vais vraiment me limiter, pour que vous voyez, à vraiment les contours de l'île. Et je m'arrête, faut considérer que je m'arrête par là. La zone que je suis en train de faire. Et après on ira par là une fois qu'on aura fini ça. Ok. Donc a priori ça on l'a pris. Il y en aurait deux par là. Il nous en faut 5 je crois pour le niveau du dessus. Ce qui est bien c'est qu'on gagne de l'endurance à chaque fois et c'est surtout ça qui m'intéresse. On changera de perso parce que j'aime bien jouer avec le personnage principal justement ici. J'allais dire, j'espère juste ne pas tomber tout le temps sur des trucs comme ça, mais bien sûr, faut que j'ouvre ma gueule, quoi. Donc à mon avis, ces trucs-là, on fait de l'améno dessus. Ouais, je crois qu'on peut interagir avec ces trucs-là. C'est pas celui-là que je voulais faire. Parce que si je fais ça, ça va rien faire. Ça aurait été marrant, mais c'est non. Du coup, on va mettre la deuxième marque. Hop. Celui-là, je ne peux pas. Il me faut de la méno. Il y en aurait un autre. Au sud. À peu près vers le TP. Donc il y aurait un TP à débloquer par là.
Et ces petits trucs qui brillent de temps en temps, je sais pas à quoi ça sert, mais ça brille. Ah merde, mais on est à quasiment une heure de vidéo. Mais arrêtez avec votre musique de combat qui ennuie tout le monde. Vous voyez bien que tout le monde en a rien à foutre de vous. Au bout d'un moment, les gens ils veulent plus combattre, ils veulent juste explorer. Et ben moi c'est pareil. Toujours dit, de toute manière, ce qui m'intéresse dans la plupart des RPG, c'est l'exploration et la découverte du monde. Ok, donc ces deux-là, c'est fait, il y en aurait un après. Ok, il y a un donjon là-dedans. Ah oui, en effet, il y a un donjon là-dedans. Et il y en aurait un... Tac, 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 là-dessus. Ouais, ça m'a l'air d'être ça. Parce que si j'en chope 5 de plus, en vrai, on peut retourner à la statue, on arrête la vidéo là, et on a fait deux niveaux de statue, et c'est cool en vrai. Les puennes de Guili. Oula. Il est possible que j'ai un petit peu clippé. Et là, ça va pas du tout être dessus, ça va être dessous. Enfin, ça pourrait en plus. Hein. Si, ça s'est déclenché quand je me suis rapproché, du coup, il y a de grandes chances que ça soit au-dessus. Pour être honnête. Puis si c'est en dessous, c'est plus simple de redescendre que de remonter. Au pire. C'était bien au-dessus. Ok. Ok, let's go. Pardon. Tac tac tac, par ici il n'y en a pas vraiment, mais il y en a une sur le côté par là. Je sais pas exactement. Mais on a dit qu'on prenait toutes les quêtes, du coup après il y aura une session de quêtes aussi. Manger quoi? Je vais vous aider. Ah, je l'ai déjà. Oui, j'ai ton plat, regarde. Ah bah non, je l'ai pas. C'est faux, je t'ai menti. Du coup, il y a un TP par là. Et au-dessus de ce TP, il y en a rien. Alors déjà, on va regarder combien il m'en manque. Comme ça, dès qu'on en a assez, on revient te voir. Il m'en manque 3, ok. Comme ça, on met fin à la vidéo derrière. Il y a un personnage dans mon équipe qui doit être en train de se dire « Putain, mais il veut vraiment pas augmenter 40. Hein. Il a chopé tous les matériaux maintenant et il le fait toujours pas. » Je le déteste. J'aurais préféré que ça soit pas lui mon maître. Ça pourrait. Donc encore 2. Et on sera bien. Il y en aurait une au nord. Ça par contre je sens que ça va être tout en haut. Après le truc chiant c'est que si je monte tout en haut et qu'au final c'est pas tout en haut, bah j'ai perdu du temps. Mais...
on récolte des fleurs, donc on perd pas vraiment notre temps. Oui. Monter là-haut. C'est pas une mince affaire. Hein. Après, je pense qu'on aura une vue magnifique, mais... Attendez, mais... Oh, j'ai un doute. Celle que je viens de prendre juste avant, elle était où? Parce qu'il y en a une a priori par ici, mais ça se trouve, elle est en dessous. Ça m'étonnerait qu'elle soit au-dessus en fait. J'en ai pris une ici ou pas? Je me souviens plus, c'est ça le problème. Ah. Parce qu'après, il y en a possiblement une là-dessus. Mais il faut réussir à monter quoi. J'en ai peut-être loupé une en bas ici, hein. Mais vu qu'elle est en bas, il doit falloir passer par en dessous. Ok, ça, ça passe. Tellement agréable d'avoir beaucoup d'endurance. C'est comme dans Breath of the Wild en fait. Vaut mieux rusher l'endurance que rusher les PV. Pas sûr qu'il y en ait une ici, hein. Ça le vrai problème. Je crois que je monte à un endroit où j'ai absolument pas besoin de monter, mais c'est pas grave. Ah si, il y en a une sur ce plateau là. Le jeu est gentil, il vous la montre. Ça, je passe pas pour un connard. Enfin, pas trop. Ah non! Faut arrêter au bout d'un moment. Ouh, par contre, très bon point d'observation. Connard. Et parce que ça, ça passe pas. Ok, donc encore deux. Rends-moi cette épée à deux mains! Putain. Attends, une épée à deux mains, deux étoiles. Trois étoiles, quand même. Va pas me baiser comme ça, le jeu. Dommage qu'ils aient pas mis un point de TP ici, ça aurait été parfait pour aller un peu partout. Il y en aurait une autre par là-bas. Là où elle est.
Ah oui. Ah oui. Mais c'est forcé, il y a un personnage qui permet de faire des dashs en l'air. Hein. Parce que... je crois que c'est Venti qui permet de faire ça en plus. Hein. Parce que sinon, celui-là... ça sert à rien de mettre un truc en dessous, en fait. C'est notre troisième, non? Parce que là-bas, j'ai dit que j'y allais pas. Par contre... il y a un autre TP par là, a priori. Mais j'ai dû le prendre, ce TP, je pense. Oui, je l'ai déjà, ce TP. Quand même vérifier. Parce que je suis pas sûr de l'avoir, celui-là, et ça me ferait chier de le laisser là. Alors que j'aurais pu le vérifier direct. Normalement, il y a un jeu. Oui, c'est ça, le géoéther, il est là. Okay. Normalement, on a assez pour prendre un niveau de statut et arrêter de cette vidéo. Mais du coup, je vais quand même prendre ce géoéther avant de l'oublier. Après, la question, c'est comment je monte là-dessus. Ça va m'empêcher de monter justement. Le jeu qui est en train de me dire, bah c'est simple, il suffit de le faire d'en haut. Mais j'en viens d'en haut, connard de jeu. Je suis désolé, mais je ne supporte plus ta clochette, elle m'exaspère. Ça, on a plus que deux jauges d'endurance maintenant, ça c'est très cool. Bon là, je devrais être assez haut, je pense, quand même. Pour faire un petit tour comme ça. Hop, allez. Oh non. Non, c'est pas ça. Enfin, oui, mais pas là. C'est vrai qu'il se recharge vite, ce truc. Hein. Voilà. Du coup, on peut considérer que... cette zone-là est terminée. Putain, j'ai pas pris ces TP, mais je me déteste. On fera ça dans la prochaine vidéo, de toute manière. On va juste augmenter d'un niveau la tour. Je t'en offre 16. Hop, 208 d'endurance. Et il m'en faut 19 de plus. Ouf. Mais on verra ça dans une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. À plus.